Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salut, salut. Aujourd'hui, on va vous régaler pour la fête de l'Aïd. J'ai un carton là. Il y a grave des cadeaux. Je vais pas vous montrer. On va aller au hasard. J'ai prévenu personne. On va aller capter des petits. On va faire des défis. Ils vont répondre à des questions aussi sur l'islam. Ça va être intéressant. Et on va voir le plus chaud. Bah, il remportera un cadeau de l'Aïd. Et bonne fête. Désolé pour le retard. Mais hier, on n'avait pas de vidéo. Hier, c'était la fête avec la famille. Bon, les frérots, c'est bon. On arrive au stade. Il y a plein de personnes. Ça fait plaisir. On va faire plein de défis, on va commencer par un défi tranquille. On va commencer doucement et après on ira plus loin. T'as vu là, il y a les grands. On va commencer par les petits. On va prendre toi, viens. Moi je suis même. Ouais, mais en taille, il y a des plus grands tailles. Donc les gars, vous deux, vous allez commencer. Tu t'appelles comment? Eden. Eden, et toi? Andro. Andro, les gars, regardez, vous allez aller au goal. Je vais faire deux pénalties. Celui qui en arrête le plus, il gagne ses gants. Comme ça, la prochaine fois quand vous allez au City, vous avez une paire de gants. C'est Pierre Feuille-Ciseau qui commence. Coup sec? Ouais, coup sec. Oh, elle est belle. Ok, 1-0, on va voir l'autre s'il s'en sort. Oh, ça rentre aussi. Ça rentre. Oh, ça continue. Aïe. Du coup, victoire, je vais voir. Il va lui remettre son lot, bien. Donc la prochaine fois que vous allez au City, vous pouvez appeler Aiden. Tu gagnes le premier cadeau. Petite paire de gants, t'as fait un vrai arrêt en plus hein. Petite paire de gants Adidas, on commence tranquille, tiens Aiden. Bravo. Là on est avec des plus grands, tu t'appelles comment? Hamza. Souleymane, les gars, je veux juste vous demander un truc. Le ramadan pour vous c'est dur de sur une échelle de combien à combien sur 10 vraiment? 5 hein. 5? Ouais. 5 sur 10, ok. Je vais vous demander de faire un 1 contre 1. Ouais. Celui qui remporte son 1 contre 1, il pète son maillot de l'Atletico. Mais par contre, il faut que je choisisse un vrai goal. Choisissez un vrai goal. Youssef, hein? Goal pour moi, non? Les règles, c'est simple. Le premier à deux buts, il remporte le maillot. Vas-y, Youssef, tiens. Il y a des fautes, pénalty coup franc, les gars. Ouais. Allez, c'est parti, les gars. Ok, fini. Oh, ça joue. Ça joue. Oh, bien joué, gardien. Ça joue encore, hein. Oh, bien joué, l'arrêt du gardien, fini! Oh! Oh! Ok, ça passe. Incroyable! Oh! Hey, ils font pas de foot, wallah, ils sont trop chauds. Vous faites du foot? Non, je fais pas. Mais pourquoi tu fais pas de foot, frère? Ah, franchement, vous avez un bon niveau, vous deux. Hey, y'a des gens qui font du foot, ils sont un peu. J'aime pas dire nul, mais ils sont moins forts que vous. Balle de match! Jouez, contrôle! Oh! Ça joue, on a rien vu. Oh, dommage, fini! Égalisation peut-être? Oui, égalisation! Un partout, on a vu la virgule qui est pas passée, elle aurait pu faire très très mal. Ok. Ça joue! Accélération! Fini! Oh là là. Oh la dinguerie! Franchement, ils sont vraiment vraiment super chauds. On voit qu'ils veulent leur cadeau du Aïd. Hein. Là, on est avec Mohamed Ali et toi, tu m'as pas dit? Adam, je vais vous poser une question sur l'islam. Dès que vous avez la bonne réponse, vous baisez. T'as vu, la prière, c'est obligatoire. Il y a une sourate qui est obligatoire de réciter, c'est laquelle dans la prière? Al-Fatiha, bien joué. T'avais pas la bonne réponse? Si, j'avoue, mais... Du coup, petit cadeau pour toi. Mohamed Ali, un beau ballon. Quand tu vas au City, t'as un beau ballon. Tu fais la prière? Bah c'est très très bien, Mohamed Ali. C'est une belle balle Puma. Félicitations. Là, on est avec Reda. Et toi? Ryan. Ok, les gars, je vais poser des questions sur l'islam. Celui qui a trois bonnes réponses, il gagne une paire. Franchement, elle est bien la paire. Dès que vous avez la réponse, vous baisez. Comment s'appelait la mère de Jésus? Aïssa. Marie. C'est bon, Mariam. Mariam en arabe et Marie en français. 1-0. 1-0. Ok. Dans la dernière prière, la prière du Aïcha, combien de rokat il faut faire? 4. Très bien, un partout. Est-ce que Dieu, il pardonne tous les péchés? Oui. Attends, je t'interroge. Oui, ouais, mais faut qu'ils disent. C'est moi, t'interroge. Du coup, t'avais gagné là, mais il faut attendre. Ok, quelqu'un peut me citer les 5 piliers de l'islam? Là, c'est lui. Parle bien fort. Le ramadan, la prière, la zakat, la doura. La doura? Non, oui, la doura.
C'est-à-dire la Deha. En gros, Ashhadu an la ilaha illallah. Ok, ça s'appelle pas la Deha, mais c'est l'attestation de foi. Ok, et le dernier. Et le pèlerinage. C'est bien. 2-1 pour lui. Tu vois, lui, il a attendu. Balle de match, fais gaffe. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est la Umrah? Attends, non, mais j'ai pas posé la question. Vous savez ce que c'est la Umrah? À quel moment de l'année on peut la faire? La Umrah pendant le Ramadan? Attends. Pendant le Ramadan, c'est tout? Non, et pendant l'Aïd aussi. Pendant le Ramadan et pendant l'Aïd, c'est tout. Ok, c'est ça ta réponse. Ok. Et toi, tu dis quoi? À tout moment de l'année. À tout moment de l'année. On peut la faire toute l'année, la Umrah. Il n'y a pas de moment, c'est le Hijj. C'est le mois de Dhul Hijj battu. Il avait les deux réponses, mais il n'a pas patienté. Du coup, tu fais du combien? 41,5. Petite paire de ASICS. C'est du 42. Tu mets combien sur 10? 8, c'est carré, tiens. Là, on est avec Marwan. Mohamed. Ok. Répondez sincèrement. Le Ramadan sur 10, c'est dur à combien sur 10? 4. Même à l'école, c'est archi facile. Ok, et toi? 7. Ok. Parce que moi pour moi, c'est dur à 9. Hein. Moi, j'aime bien manger, c'est dur. Hein. Donc, les gars, il y a un cadeau. Il y a un beau maillot du Barça. Vous allez faire un Vincent, mais dans les petites cages. Le premier a 2 buts, il gagne. Go. 1-0. Balle à l'Algérie. Parti. Bien joué. Aïe aïe, dommage. Bien joué, c'est physique. Non, ça reste pas. Oui, un partout. Un partout, Calvin, on repart dans tes buts. Tranquille. Enlève sa veste. Il enlève sa veste. Allez, c'est parti. Ah, il aurait pu tirer là. Bien joué. Fini. Oh non, ça monte pas. Sorti. Ça joue. Oh. Non, ça monte pas. Aïe. Le joueur algérien, malheureusement, bien joué. Tu t'es bien battu, dommage. Bien battu. Oh, là, tu t'es bien battu. Il a dû enlever ses baskets, enlever sa veste. Il a dû se mettre en mode tryhard. Oh, mais tu gagnes. Est-ce que t'as une équipe préférée au foot? Ouais. C'est qui? J'aime pas le Barça. Désolé. T'aimes pas le Barça? Mais t'aimes pas le Barça, mais t'es mal maillot, ouais, comment il est beau, frère. Il est incroyable. Attends. L'étiquette, elle est bloquée. Tac. Il est incroyable, si le maillot, le frère. Logique. Pour repartir sur les questions, je t'appelle comment? Asaf. Adam. Safouane. Okay. Par contre, les gars, faut parler bien fort. Faut parler bien fort, ouais. Dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez, vous attendez que je vous interroge, ok? Avant de pouvoir faire la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il a soufflé. Faut arrêter de souffler, t'as pas le droit. T'as vu, je peux pas lui compter la bonne réponse. À vous avez pas le droit, ceux qui souffrent, vous avez pas le droit. Le mois du Ramadan, combien de jours au minimum on doit jeûner avant que ça se termine? Ouais. J'ai pas vu qu'il y a deux ans premier, t'as c'est, vu. C'est gangri. J'ai pas compris la question. 29 jours au minimum, 1-0 pour toi. En islam, on a deux fêtes. C'est lesquelles? Très bien, les deux Eid. Très très bien, 2-0 pour toi. Il est chaud lui. Hein. Quelles sont les trois dernières sourates du Coran? Non, c'est lui en deuxième. Les trois dernières sourates du Coran. 4, 3, 2, 1. Aïe aïe, lui c'est un boss. Voilà, c'est un boss. T'as gagné ton maillot, bien joué. 3-0. Il vous a éteint. Il va au cours arabe, ça paye le cours arabe. Ah les gars, faut apprendre les autres. Au cours arabe. T'es pour qui toi comme équipe? T'es pour le Real. Oh, il est incroyable celui-là. C'est bien. Tiens, t'as. On va passer au plus grand, on va les présenter juste après. Un survêt Adidas pour gagner, à gagner. Donc là, ils vont se mettre en mode frappe. Celui qui marque, il se qualifie. Et le dernier d'entre eux qui met le plus de buts, en gros, il gagne le survêt. Nassim, t'as quel âge? 16. 16, ok. Ayoub, t'as quel âge? 14. 14. Junior, t'as quel âge? Pareil, 14. 14. Youssef, 16 ans. 16 ans. C'est vous quatre là qui participez? Ça va, en vrai, je voulais savoir s'ils avaient le même âge. Allez! Junior le gaucher. Oh! Quoi tu veux, Nassim? Oh, Ali! Elle rentre! Il est pas tombé pour rien! Bien joué, gardien! Du coup,
coup les deux finalistes venez. Tiens, vous allez faire des penalties en mode MLS. Ça veut dire vous avez 5 secondes pour marquer. Vous connaissez 5 secondes pour marquer. C'est parti Nassim. 5, 4. Oh elle y est. Il lucarne. Oh réponde. 5, 4. Aïe 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 aïe. Si tu marques, t'as 2 et t'as gagné. Ouais. Bien joué, la victoire. Abattre l'ennemi Nassim. 2-0 Nassim. Ah il est chaud Nassim. Il est venu pour abattre l'ennemi. Nassim sur 10 le ramadan c'est dur à combien pour toi? 0. Wesh. Il y a que moi qui c'est dur ou c'est comment? Un petit survêt Adidas, t'as le bas. Tiens. Et t'as la veste. Survêt Nike Adidas simple noir. C'est un certain que Nassim. Stop. Bien joué. Change d'endroit, comme ça on va faire aussi un défi de force. On va voir quel abonné est le plus fort. On va aller au parc là, vous allez voir le défi il est incroyable. Le défi il est simple, il y a 5 participants. Ils vont s'accrocher à la barre. Le dernier qui lâche, il gagne un beau cadeau, vous allez voir. Vas-y les gars en place. Vas-y c'est parti hein, c'est parti. Oui chef, de l'autre côté. C'est bon là, ils sont bien. Ce défi il est dur à partir de 25-30 secondes, ça commence à tirer ici. C'est super chaud. On va voir, ils sont concentrés. Pour l'instant, je vais leur montrer le cadeau pour les motiver. Les gars, on est à 20 secondes. Vous êtes comment là? Ça va ou pas? Viens, on va les motiver un peu. Vas-y. Les gars, pour vous motiver, je vous montre le cadeau. Vous êtes à 30 secondes, les gars. Ça va, Algérie? Ça va pas trop? De 1 à 10, c'est comment de 1 à 10? Il peut plus parler, Mskin. Il peut plus parler. Lui, je vois, il était. Ça va, t'es bien pour l'instant? Et toi, c'est comment? Ça va en vrai. Ça va en vrai? Ça va pas. Non, voilà, ça va. Okay. Lui, c'est le grand favori. Tout le monde dit depuis tout à l'heure, c'est toi qui va gagner. Non, pas encore. Ça glisse déjà. Hein. Ça glisse déjà? Ah ouais, le grip. Okay. Et y a Youssef. Moi, je vais tomber là. Non, Youssef, tiens. Les gars, vous êtes à 1 minute 20. Tenez, les gars. Eh, vous êtes chaud. Ils sont vraiment super forts, incroyable. Non, ça va tomber. Ah, il vient voir lui, vacher là. Ah, premier calaché. Dommage. Deuxième calaché. Bon, là, ça glisse. Aïe. Final. Wesh, Algérie, c'était dessus qui était pas favori. Attention, là, c'est fini, ça va être fini. Ah, c'est mort. Aïe. Ça tue. Lui, on aurait dit que c'était archi facile. Ils ont tenu 1 minute, il a tenu 1 minute 45. Wesh, tu fais mieux que des adultes de 30 ans. Tiens, tu gagnes une belle paire de stabiles. Sartek, Neymar, Sartek. Tiens, t'as la deuxième. Combien tu la notes sur 10 cette paire? Ça, je voulais l'avoir, mais en crampon normal. Ok. Là, un petit 9. Un petit 9, bon, c'est carré, tiens, t'as la boîte. Bien joué, tu t'appelles comment déjà? Ryan. Retenez son blaze, en fait. Hey, comment ça muscu, mon gars, t'es chaud. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y en a qui étaient pour le Real et tout, ils ont eu des maillots du Barça. Donc les gars, si là vous voulez changer les cadeaux, c'est maintenant. Toi, t'as le maillot du Barça, j'étais pour le Real. Est-ce que tu veux changer ton cadeau? Ouais. Avec qui? Bien. Vous voulez changer? Tu changes ou pas? T'es pas obligé, hein, comme vous voulez. T'es pas obligé, c'est selon ton goût. En vrai, je vous dis la vérité, les deux, ils sont incroyables, les deux. Non, mais lui, il est plus beau. Moi, c'est une blague. Tiens! Ouais, c'est lui le meilleur, les gars. Ouais. Il a dit là, il y a la croix chrétienne. Ouais, c'est lui le meilleur. Mais non, c'est pas la croix chrétienne. C'est pas la croix chrétienne, c'est lui le meilleur. C'est le logo du Barça. Mais non, c'est pas une croix chrétienne, ça. Moi, je garde ça pour moi. Bah, il veut pas changer, il garde. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. On vous souhaite à tous une bonne fête de l'Aïd. Et passez un bon week-end. Nous, on vous laisse là et manger bien parce que là, c'est fini le ramadan quand vous regardez la vidéo. Allez, salam.